Allô, merci de me retrouver dans ce nouveau Vlogmas, le Vlogmas numéro 15. Plus que 10 jours, franchement ça passe vite. Mais à la fois, je suis un peu crevée quand même. Allez, en mode poncho. Oui, j'ai mis une petite chemise d'été en hiver et j'ai la crève. Bravo Laura. Je vous présente mes cheveux au naturel, sans lissage, sans quoi que ce soit. Donc bon, je ressemble un peu à un caniche. Alors, je vais essayer d'enchaîner vite parce qu'il y a un contenu un peu long. Hein, un crash test calendrier de l'Avent, look fantastique et Catrice. Le truc le plus improbable, mais ça a quand même fonctionné. Enfin, je sais pas. Vous verrez ça tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est à Saint-Ninon. J'adore ce prénom. C'est trop mignon. Et sa journée mondiale de la langue espéranto. C'est une invention, c'est une langue nouvelle, on va dire. En fait, c'est une langue qui voudrait être universelle. Tout le monde puisse parler et se comprendre dans une seule et même langue. Je trouve le principe plutôt cool. J'ai fait des petites recherches et il y a de plus en plus de gens qui se mettent à apprendre l'espéranto. J'aimerais bien apprendre un petit peu aussi cette langue. Donc voilà, l'espéranto. Ce matin, j'ai utilisé ça. Vous savez, le gommage Baja. Au café, j'ai adoré. Par contre, c'est une exfoliation assez costaud, on va dire. Donc, je l'ai utilisé sur mes jambes et mes bras. Ça sent très très fort le café. Moi, ça me dérange pas, j'ai plutôt aimé. Par contre, mon bac de douche, il était dégueu. Mais alors, de chez dégueu, j'ai perdu un temps fou à nettoyer après. Tout le matin, franchement, pas cool. Je valide ce produit. Et du coup, j'ai testé l'après-shampoing spéciologie reçu dans un box Blissim. RAS, enfin je veux dire, ça n'a pas fait waouh dans la douche. Je vais continuer à le tester, peut-être que une première utilisation c'est pas non plus très probant on va dire. Comme je dis toujours, hein, n'est-ce pas? C'est ni un top, ni un flop, c'est un bof, oui. Bon, on va parler de quelque chose un peu fâcheux là. Donc ce produit reçu hier dans un box Gloria de chez Benefit. Ce produit très liquide, couleur sang, qui fait office de blush et d'encre à lèvres, on va dire. Donc ça fait 9 heures. J'ai juste repoudré un petit peu ma zone T parce que là, c'était juste pas possible. Vous connaissez le jeu Où est Charlie? Vous voyez ce jeu-là? Où est le blush? On voit le bronzer, on voit l'highlighter. Mais alors ça... Et alors sur les lèvres, ça... disparu. Déjà l'application c'était super désagréable sur les lèvres, j'aime pas cette sensation d'eau hein, finalement. Ça s'est pas déposé de façon homogène je trouve, alors peut-être c'est parce que j'ai les lèvres gercées, c'est à prendre en compte. J'ai mangé, j'ai bu, j'ai parlé, j'ai fait ma vie quoi. Finalement il en reste qu'à l'intérieur ici et là j'ai une cicatrice de varicelle et ça s'est mis là, donc j'avais un point rouge juste là, pour vous dire que c'était assez moche. Niveau blush, donc j'ai mis 3 points, j'ai estompé à l'éponge, ça donnait rien. Avec les doigts, ça a taché mes doigts, c'était une horreur. En fait, ce que ça a fait, c'est que ça a fait ressortir puissance 1000 mes rougeurs. J'avais l'impression d'avoir la rosacée, c'était horrible. C'est comme si j'avais des taches rose-rouge. J'ai une peau à imperfection, j'en ai conscience. Donc je pense que sur une jolie peau, pourquoi pas, mais l'éponge a lu tout le produit. C'est trop liquide, quoi. Je n'utiliserai absolument plus ce produit. C'est mon dernier mot. Ça ne me convient pas personnellement. Peut-être qu'à vous, oui. Mais d'après ce que j'ai pu lire en commentaire, certaines connaissent ce produit, l'ont testé. Il y a belle lurette en plus, donc c'est pas une nouveauté. Et gros flop aussi. Ça serait plutôt cool que ça soit un top... chez vous. Moi, je pense que j'ai trop de rougeur, de pores. Ça fonctionnait pas du tout. Je vais venir mettre quand même un coup de rouge à lèvres parce que là, j'en ai mis sur les dents. Je l'ai fait sans miroir. Ça me fait penser à Emily qui m'avait lancé un défi. Il a moitié relevé, là. J'ai mis un rouge à lèvres de chez MAC, le Velvet Teddy, je crois, qu'on avait eu chez Blissim. Voilà, j'aime bien, c'est un joli nude. Petit clin d'œil à Julie B, qui m'a demandé en commentaire quel était le rouge à lèvres que je portais hier. Donc c'est celui-ci, de chez Primark, le Liquid Matte, et la teinte, c'est la teinte... Oh, on le voit pas, j'arrive pas à voir la teinte. Tout à l'heure, j'ai publié une story pour la campagne Imparfaite. Je vous ai parlé des produits que je testais en ce moment. Assez contente, franchement, j'ai l'impression d'avoir une peau bonne mine. Je dirais que c'est assez agréable dans le miroir le matin, quand on a les yeux jusque-là.
au moins cette peau un petit peu lumineuse, bonne mine, ça fait toujours plaisir. Demain, je vais essayer de publier sur Insta la box Blissim que j'ai reçue, donc je dois la présenter. Comme ça, demain soir, je peux vous la mettre en concours. Donc je tirerai au sort futur gagnant ou gagnante des deux lots, et on enchaîne sur la Blissim. Et en partenariat, j'en ai accepté un. Donc c'est une box que vous verrez sûrement demain. C'est une box mais complètement différente de ce que j'unboxe d'habitude. Le concept me plaisait pas mal, ça change. Du coup on se séparera les produits pour que je puisse vous en mettre quelques-uns en concours. Faut pas oublier que sans vous je n'aurai pas de partenariat. Je rends à César ce qui est à César. Bon, on passe à l'unboxing. Je vais commencer par Sandy. Alors Sandy, hein, cette case numéro 15, parce qu'il fallait que tu testes. Il y a plein de trucs que tu veux que je teste. C'est assez mou. C'est une éponge en silicone, parce que ça, non. J'en ai une, mais j'avais pas aimé. Une fleur de douche. Quels indices c'en est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, déjà, je suis contente parce que j'ai des bubules. Oh, c'est un pigment, un mono. Ah, c'est un pigment de Glam Shot. Tu présentes souvent cette marque avec des pigments magnifiques. J'en prends toujours plein les yeux. Waouh ! Non, mais là, t'as fait des folies, hein, parce que c'est pas donné. La teinte, c'est Mirage. Non, Fata Morgana. Mirage, j'ai peur d'en mettre partout. Je vais y aller délicatement. J'aimerais pas faire des bêtises, mon Dieu. Waouh ! Waouh ! Pardon, je suis très expressive. Et mince, je me suis mis des paillettes partout. Bonjour pour les enlever. Alors, je vais me lever. Et là, je suis pas en bas de pyjama. Je suis en jean. Par contre, je suis en pantoufle. Hein. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Oh ! Non, mais Sandy, j'ai même pas envie de plonger mes doigts dedans. Bon, je vais essayer de faire un swatch. Oh, et ça me fait peur. J'ai pas envie d'abîmer, c'est trop beau. C'est une texture comme j'aime, crémeuse. C'est trop beau. Regardez ça. Oh ah, j'ai jamais vu un truc aussi pigmenté. Regardez-moi cette opacité et ces reflets de dingue. Oh non, mais obligé, je le mets demain. C'est trop beau. Par contre, Sandy, est-ce que tu pourrais me donner des conseils d'utilisation si je l'applique au doigt avec un pinceau, spray fixateur, etc. Parce que là, j'ai jamais utilisé ce genre de pigment aussi intense et lumineux, quoi. S'il te plaît, j'ai besoin de tes précieux conseils. C'est trop beau. Bon, ben, je vais le laisser là. Merci beaucoup, Sandy. Et voilà, j'ai encore fait une Laura. C'est la Laura du futur qui est en train de faire... le montage. Et j'ai oublié le petit mot de Sandy. Fard marbré Mirage Glam Shop. Un de mes préférés de la marque polonaise Glam Shop. Combinaison de deux pigments pressés. Résultat juste incroyable. Oui. Et du coup, allez voir sa vidéo qu'elle a sortie il y a une heure où elle déballe ses petites cases 15. Je reste choquée, Sandy. 15, je l'ai mise là. Ah oui. Faut que j'arrête de dire ah oui. Oh, je suis incorrigible. En fait, j'ai le droit de le dire parce que vous l'avez reçu. Oui, c'est le Diamond Bomb. Oui, c'est ça, Diamond Bomb de chez Fenty qu'on a reçu chez Sephora. C'est un highlighter pour le visage et pour le corps, je dirais. Si vous avez vu le crash test Sephora, j'ai adoré. C'était pas du tout comme je l'imaginais. C'est assez subtil, mais à la fois in your face et cette texture. Donc je pense que je l'utiliserai cet été également un petit peu sur les épaules, tout ça, histoire de scintiller. Pour résumer les cases 15, je dirais le glow, c'est la vie. Je me suis remise de mes émotions. Ou pas. Je suis trop contente. On va enfin passer à ce crash test du calendrier de l'Avent Look Fantastique qui rencontre le calendrier de l'Avent Catrice. Alors j'ai beaucoup réfléchi pour ces crash tests, histoire de faire un quasi full face. Hein. Ça m'ennuie de dire ça, mais il y a presque rien comme make-up chez Look Fantastique. Donc j'ai trouvé assez sympa de mélanger les deux. Donc c'est une collab improbable, on est d'accord. Comme j'ai dit dans la vidéo, il n'y a que moi pour faire des trucs comme ça. Juste une petite chose, je me suis tentée à mettre mon micro-cravate. Et puis bêtement, j'ai laissé mes cheveux lâches qui ont bien frotté sur le micro-cravate. Donc de temps en temps, vous entendrez... Ce sont mes cheveux. J'espère que ça vous dérangera pas trop. Et je vous laisse donc admirer ce superbe look. Oui, je suis très wild ce soir. Non, à la fois j'avais ça dans les placards. Je me dis, bon, faudrait quand même que je le mette de temps en temps. En plus, c'est un cadeau de ma tante.
Je te fais de gros bisous si tu passes par là. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test improbable. Je sais, il n'y a que moi pour faire des mélanges comme ça. Look fantastique et Catrice. Ça peut peut-être donner à l'un ou à l'autre des idées de collab, on ne sait jamais. Comme vous voyez, j'ai déjà fait mon teint, comme la plupart des crash tests d'ailleurs, tout simplement parce qu'on n'a pas reçu de fond de teint d'anti-cerne, blablabla, blibibli, blubloublou. Par contre, ce que j'ai mis avant, hors caméra, c'est un primer de chez Catrice, qu'on a reçu du coup dans le calendrier de l'avant Catrice, le Hydro Primer. Donc c'est bien le seul primer hydratant que j'ai dans mes placards. Il m'en fallait bien un, puisque moi c'est mat, 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 puissance, mat. Donc c'est un primer de la gamme Love Skin and Respect Earth. Donc c'est une gamme chez Catrice qui est très respectueuse de l'environnement, si j'ai bien compris. Toutes les marques devraient faire ça. J'ai bien aimé, c'était très frais. Ma peau l'a absorbé Cash Pistache, très frais. Je pense que ça m'a plus fait penser à une crème hydratante qu'un primer. Bah, à voir tout au long du crash test. Petit disclaimer, ma peau va briller étant donné que j'ai pas utilisé de primer mat. Je dis ça, je dis rien. Boule à facette sera de retour. Franchement, très bon primer si vous n'avez pas la peau luisante comme moi. Donc j'ai appliqué fond de teint, anti-cerne, poudre, sauf par ici, et bronzer. On va pouvoir passer chez Look Fantastic avec un blush que j'avais hâte de crash tester, qui restait dans les tiroirs là, et je me disais non, toi je veux tester. Il s'agit du blush de chez NARS, le fameux Orgasm, qui est un très très joli blush lumineux. Génial, on verra toutes mes imperfections, mais c'est vraiment the best-seller apparemment de la marque. NARS, j'aime beaucoup, beaucoup cette marque. J'ai très peu de produits, malheureusement. On parle du portefeuille. C'est une marque que je porte vraiment dans mon cœur, on va dire. Donc, regardez-moi ces reflets magnifiques dorés. J'ai un peu peur. Ça va plaire à Sandy. Hein. Elle, c'est blush lumineux par excellence. Mais à la fois, elle a une si belle peau. Donc, on va tester ça. Je me suis munie d'un pinceau. Il est peut-être un peu trop grand pour le contenant. Parce que c'est un format voyage, hein. C'est déjà très bien pour tester. Et comme je dis toujours, qui a déjà terminé un blush? Ça se prélève pas beaucoup au pinceau. Voyons. Non, c'est étrange. Je vais frotter à fond. Alors, est-ce que c'est mon pinceau qui est trop fluffy? Ah non, là j'ai... Là j'ai toutes les paillettes dorées. Oh non! Regardez! En fait, j'ai un highlighter sur la tronche. Voilà, c'est pas un blush. Je vais changer de pinceau. Ben non, j'ai que le doré. Ça me rappelle le Galifornia de chez Benefit où j'avais que le doré et le Ciaté aussi. Non mais bon, franchement, je suis trop déçue. Je m'attendais tellement à blush, voilà, parce que tout le monde en parle. Et là, là, il y a rien, mais rien du tout. Et je suis têtue. En plus, non mais je frotte. Mais je frotte à fond. Hein. Je vais bousiller le phare. Ah non, il n'y a rien qui se passe. Franchement, je continue à tester. Hein. Mais vous voyez, on voit que le doré. Après, ça ne marque pas trop mes imperfections. Dites-moi si pour vous c'est pareil. Peut-être que je suis trop mat, trop médium. Trop, je sais pas. Oh, sniff, toi. Mais je vais quand même te garder. Hein. Bah oui. Bah oui, je te garde. On va vite passer à l'highlighter qu'on a reçu chez Look Fantastic. C'est de la marque Iconic London. C'est un highlighter liquide original. Je crois que c'est la teinte 2,8 ml. De toute façon, chez Look Fantastic, c'est que des formats mini, malgré le prix. Donc, très mignon, le contenant. Alors, il est liquide, bien évidemment. J'ai poudré, c'est génial. Je sens que le crash test, là, il va envoyer du lourd. Bah, je vais appliquer ça avec les doigts et estomper avec une toute petite éponge que j'ai reçue. Je crois que c'est Action. Ah, je sais plus. C'est une très, très jolie teinte champagne dorée qui ira bien avec ce blush. Hein. Boule à facettes. Donc pour éviter de déplacer la matière, oh mon dieu, je regarde le retour écran, mon dieu, ce glow. Non mais boule à facettes quoi. Je crois que le mot caché de ma barre d'infos sera boule à facettes. Alors,
je vais avoir un petit problème. Ici, j'ai du doré et là, j'ai du froid. C'est super moche. Bon, viens par là, toi. Oh. Après, ça glow, hein. Je vous éblouis, là. Ça se travaille bien. On a le temps de le travailler. Il sèche pas trop vite. Non, franchement, c'est super, super joli. Il me fait penser au Oh my God de chez Ilamasqua. Mon Dieu. C'est vachement agréable. C'est tout doux comme texture. Le seul problème, c'est doré et froid. C'est super moche. Et il n'y a même pas de transition possible à faire entre les deux. Je sais pas ce que je vais faire. Rien. Je vais rester comme ça. T'imagines la tronche de mon chéri quand il va rentrer tout à l'heure. J'aime beaucoup cet highlighter. Je brille de mille feux. Mais par contre, il fonctionne bien sur la poudre. Donc ça, c'est un très bon point. Je valide carrément. On va faire un petit tour du côté de chez Catrice avec un crayon à sourcils qui ne m'ira pas. Mais bon, vu qu'il faut que je crash teste un maximum de produits, allons-y. Et puis bon, là, je ressemble à rien, donc tant qu'à faire, on est sur la bonne lancée, là. Donc j'ai opté pour ce crayon à sourcils double embout, goupillon et crayon rétractable. C'est le Semantic Ultra Precise. Et la teinte, je crois que c'est un truc blond. Ah non, c'est médium. Donc je suis médium, mais franchement, ça fait plus penser à blond foncé. Je sens que ce crash test, quoique tous les crash tests. Comment elles font les grandes youtubeuses quand elles font des crash tests? C'est toujours parfait. Mais vraiment, il n'y a jamais de couac. Tous les fards sont bien, s'estompent bien, se travaillent bien. Alors elles sont peut-être sûrement plus douées que moi en make-up, mais quand même. Non, le goupillon, franchement, il est bien, il est comme j'aime, c'est-à-dire très, très dense. Donc on peut bien enlever toute la poudre, fond de teint, etc. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un crayon rétractable. Et je vais venir remplir mes sourcils. Oh ben non, ça va. Et franchement, parfois, je suis pas mauvaise langue. Ah, j'aime bien. Il est pas gras, il est relativement pigmenté. Alors, je vous le dis direct, la couleur qu'il y a sur le packaging n'a rien à voir avec la couleur que je suis en train de déposer sur mes sourcils, qui est plus foncée. C'est pas une teinte chaude, plutôt une teinte cendrée. Ça m'arrange. Dès que j'appuie, le crayon re-rentre. En fait, je me maquille les sourcils avec du plastique, quoi. C'est pas cool. Et il s'use vraiment rapidement, pas très économique. Au début, j'étais transcendée, et puis plus je l'utilisais, moins je l'étais. La mine n'arrête pas de re-rentrer, on n'arrive pas à faire la tête du sourcil de façon très précise. Et ben, ça restera comme ça, hein. Mitigé. Dommage, Catrice. On va rester chez Catrice, parce que Look Fantastic, et ben, mon grand désespoir, on n'a pas eu de palette. Donc, on va prendre celle de chez Catrice, qui est très simple. J'avais été un peu déçue lors de l'unboxing de recevoir cette palette-ci, qui est très, très, très basique, alors qu'ils ont des palettes beaucoup plus sympas. Je ne peux pas m'empêcher de comparer Catrice à Essence, parce que les deux sont des marques allemandes de petit prix. Et quand je vois que Essence nous a lâché trois merveilleuses palettes dans le calendrier de l'Avent à 19,99€, celui-ci, c'était 29,99€ et on a reçu ça. Je suis pas transcendée et pourtant, Dieu sait que j'aime le nude. Mais là, ce sont des teintes froides et j'en ai marre des teintes froides. Ça ne me va pas. Il y en a à qui ça va super bien. Je vais même vous dire quelque chose. Je me suis acheté la palette rétro de chez Natasha Denona. Ce sont des tons froid. Et je suis dégoûtée parce que je sais plus, 89€ je crois. Et quand je l'ai mis sur les yeux, je me suis dit mais ça me va pas du tout. Moi ce qui me va ce sont les couleurs chaudes, que ce soit les fonds de teint, les bronzers et les palettes. Je continue sur ma lancée d'un crash test un peu mitigé. Je sais pas du tout ce que je vais faire avec ça. Elle s'appelle The Smart Beige. C'est la Nude But Not Naked. C'est marrant ça. Je vous mets à l'écran l'harmonie et les swatchs que j'ai fait. Le temps que je réfléchisse un petit peu à un make-up que je vais faire. Non, je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Bon, on va partir à l'aveugle. Bah, déjà, on va partir sur la teinte light. Parce que c'est le seul fard beige. Le reste m'a l'air satiné. Oh mon Dieu. Donc c'est une teinte mate claire.
C'est juste pour poudrer. Bon, j'ai pas les paupières grasses, hein, mais j'ai unifié avec, mon anti-cerne, mon correcteur. Et je viens bien en mettre sous l'arcade sourcilière pour estomper ces superbes fards beige. Après, bon, vous me direz, c'est une palette qui est basique. Hein, tout le monde peut porter et mettre ce genre de teinte pour tous les jours. Donc voilà où on en est. C'est beaucoup plus clair. Je vais venir prendre un pinceau un peu fluffy et pas très précis. Et je vais venir prendre peut-être ce fard ici, qui est un fard top. Mais j'espère qu'il n'est pas satiné, parce qu'il n'y a rien de pire que de mettre des fards lumineux ici, si vous avez une paupière tombante. Parce que ça va faire qu'accentuer, pas défaut, mais ce petit truc qu'on voudrait cacher et pas accentuer, quoi. Oh, vive les teintes froides. Bah, c'est pas très pigmenté. Je crée une ombre, tout simplement. Bon, je sais pas ce que je crée, mais bon. Je vais partir sur, je sais pas, un des deux, là. Bon, le dernier, le plus foncé. Je viens en mettre ici. Au moins, les teintes vont bien ensemble, puisque c'est du froid, quoi. C'est juste des goûts perso, hein, les teintes froides. Ça s'estompe bien, ça se travaille bien, ça se superpose bien. Non, c'est cool. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Allez, sois pas mauvaise langue. Je vais prendre un pinceau biseauté, comme d'habitude, et je vais prendre la teinte très foncée ici, qui s'appelle Scout. Celui-là, il est super pigmenté. Hein. Il n'y a pas de contraste. Je ne sais même pas pourquoi ils ont mis cette teinte-là. Profitez de venir faire mon ras de cils inférieur avec... J'ai pas trop le choix. Je vais mélanger ces trois-là. Ça va me créer une nouvelle teinte. Ou pas. Qu'est-ce que c'est moche, mon Dieu. J'ai l'air fatiguée là. Je vous dis pas que je le suis pas, mais accentuer ça... Non mais franchement, ça me va pas du tout. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous, mes veinés et veinéos? Alors, maintenant on va passer au irisé. Je crois que j'en ai trois. Donc, je vais prendre... celui-ci avec le doigt, c'est un marron glacé et je vais venir le mettre en coin externe. Crotte dans les yeux, bonjour, je ne vois rien. Ah ouais, c'est super subtil. Ouais, comme d'hab, j'essaie de me donner à fond et utiliser un max de fard. Par contre, au toucher, c'est assez soyeux, les fards. Il faut bien que je trouve quelque chose de positif. On va passer un fard, pas le celui-ci là, le gold. Je prends un autre doigt. Hop, j'espère qu'il va être un peu impactant. Il est tout en transparence. Il est pas du tout opaque. J'aurais dû mettre une base à paupières. Non, parce que franchement, qui prend le temps de mettre une base à paupières le matin avant d'aller travailler? Que les sananas, etc., qui mettent des bases à paupières tous les jours. Et puis, un fard qui a besoin d'une base à paupières, c'est que c'est pas un bon fard, je suis désolée. Trop déçu, quoi. Mais ultra déçu. Non, mais cette palette, elle est... Pourtant, j'aime beaucoup Catrice. J'avais fait un crash test Catrice et tout. Mais là... Il me reste un espoir avec un fard irisé ici, là. Eh ben, c'est pas folichon. Ai-je besoin de quoi monter? Non. C'est horrible. Bon, quand quelque chose me plaît pas, hein, comme d'habitude, je viens prendre l'highlighter liquide Iconic London et je vais en mettre sur les paupières parce que là, j'aime trop les irisés et les côtés... lumineux pour rester avec un truc fade comme ça. Donc je prends mon pinceau à boule, hein. Je sais pas, je me teste des trucs. Bah, je trouve ça mieux.
Regardez, c'est plus impactant quand même, non? Ben voilà, c'est mieux. C'est mille fois mieux. Enfin, mille fois. Un peu mieux, quoi. Petit fail, devinez. J'ai appliqué le crayon noir, je pensais à filmer, et puis en fait, non. Ça arrive, vous me direz. Donc j'ai appliqué en muqueuse et au ras de cils supérieur, un super... Laura, change de vocabulaire un peu, lis le dictionnaire, je sais pas. Un crayon noir de chez Diego de la Palma, la teinte numéro 1. C'est un col Kajal. Franchement, il glissait bien, très noir, très opaque, très crémeux. J'ai rien à dire. J'espère qu'il va pas trop baver. Parce que c'est ça le problème que j'ai, c'est que moi, les cols, ils bavent et ça fait cracra. Mais en tout cas... très très contente, merci Look Fantastic. Donc je disais avant de me rendre compte sur le retour écran que ça ne filmait pas, on passe au mascara avec le Iconista Volume Mascara. La teinte ou le produit s'appelle The Best or Nothing. Et si mes souvenirs sont bons, c'est un peu une brosse what the fuck. C'est ça. Ouh, il y a du produit qui se dépose sur la brosse. C'est vraiment une brosse toute petite. Vraiment toute petite, en picot silicone. C'est un autre nom, je ne me rappelle plus. Donc on va voir ce que ça donne. Donc volume, j'attends de voir ça. C'est étrange. En fait, je ne sais pas comment manipuler cette brosse. Ça gaine vachement bien les cils, ça fait un peu de paquet. Par contre, ça les recourbe pas. Et moi qui n'ai pas les cils droits, j'ai l'impression qu'ils sont droits. Houston, on a un problème. C'est quoi ce crash test, sérieux? J'espère que vous marrez bien là. Eh, c'est pas mal, ça donne légèrement un effet faux cils, je trouve. Alors, comme d'hab, voilà un œil fait, un œil pas fait. Vous verrez bien la différence, je crois, quand même, j'espère. Coucou, ça va? Et de l'autre côté, franchement, pas mal. Ouais, on fait l'autre œil. J'aime beaucoup ce mascara. Bah, vous savez quoi, je vais laisser qu'une seule couche parce que je suis très satisfaite comme ça. Gros coup de cœur finalement. Et j'aime bien ce genre de produits où ce sont des brosses mascara qui sortent de l'ordinaire. Et ce qui est bien, c'est que je n'ai pas ça en stock. Donc... bienvenue à la maison. Allez, dernière étape ou avant-dernière étape ou avant-avant-dernière étape plutôt, on passe aux lèvres. Alors, j'ai deux produits. Un de chez Look Fantastic qui est un crayon à lèvres qui s'appelle Buff de la marque Delila. Oui, Delila, je ne connaissais pas. C'est un crayon à lèvres rétractable, bois de rose, il me semble, un peu rosé. Ça peut être très sympa. Je ne sais pas s'il ira avec le rouge à lèvres Catrice. Comme je vous ai dit, je dois tester. Pour vous et rien que pour vous. Ah, il est rose. Je n'aime pas trop le rose. Oh là là, mes lèvres. Ça glisse bien. On peut carrément faire toutes ses lèvres. Bah, j'aime bien cette teinte vieux rose. Encore une teinte froide. C'est quoi leur problème cette année en calendrier de l'Avent avec les teintes froides? Franchement, très très bon crayon à lèvres. Je suis vraiment contente de le tester. Et je sais qu'il va matcher avec pas mal de rouge à lèvres que j'ai en stock. Donc c'est un très bon point. Testez-le et vous m'en direz des nouvelles. Rouge à lèvres. Donc j'ai opté pour un rouge à lèvres Faux Satin numéro 40. Full of Inspiration. Et ben, voyons si je suis remplie d'inspiration. Les deux ne vont pas aller ensemble. Là, on a un nude marronné. Qui tire peut-être un petit peu sur le rose, je ne sais pas, mais en tout cas, quand j'ai essayé de faire mon script make-up, c'est la seule chose qui matchait plus ou moins, mais alors vraiment de très 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 loin. C'est pas grave, ça va, ça passe. Je suis fan de ce rouge à lèvres. Trop fan. Archi méga méga fan. Merci Catrice. On finit sur un top quand même. Il était temps, Catrice. Non mais, ce rouge à lèvres ne va absolument pas avec les yeux. Hein, on est d'accord. Oh, ce rouge à lèvres. Ah, oh, j'adore. Alors, satin, je le vois pas si... oui, il est crémeux, mais il n'est pas satiné, il n'est pas glossy, ce qui m'arrange. J'aime beaucoup. Non, c'est pas non plus choquant, lèvres-yeux. Hein. Mettez-vous à ma place, prenez un calendrier de l'Avent et testez tout du calendrier de l'Avent et essayez de faire quelque chose.
Franchement, c'est pas simple, hein. C'est pas simple du tout. Mais bon, les crash tests, c'est la marque de fabrique de ma chaîne, hein, unboxé mais crash testé. On va finir par un spray fixateur. Et là, c'est un spray fixateur hydratant, je crois, oui, de la marque Inamasqua. Spray fixateur hydratant, vegan cruelty free. Donc, c'est un format voyage, je crois, 30 ml. Hein. Ouais, 30 ml. Donc, on va fixer ce magnifique make-up. Hein. C'était obligé. Je suis fan des packaging Inamasqua. Très simple, sobre. Voilà, un peu comme Joséphine Cosmétique. Allez. Oh! Oh! La douche. Oh! Hein? Non! Non, je valide pas. Je valide pas du tout le spray. Attendez. Je valide pas. J'étais surprise à chaque fois que je prenais léger comme ça. Je me le garde pour cet été. Là, c'est vrai, ça sera rafraîchissant, mais là. Là, c'est un petit peu trop puissant, hein, je crois que vous avez pu le voir. Écoutez, hydratant, mais du coup, c'est bien parce que ça va complètement avec le primer hydratant que j'ai mis au début. Donc, la boucle est bouclée, on va dire. Donc, voilà, on en a terminé pour ce crash test What the Funk When Look Fantastic meets Catrice. Hein. Je crois que sur toute la plateforme YouTube, je dois être la seule à avoir mélangé ces deux marques. Il n'y a que moi pour faire des trucs comme ça. Bon, il y a eu des tops, des flops, mais finalement, je préfère garder en tête que les tops. Les flops ne sont pas vraiment des flops, c'est juste des goûts perso, voilà, au niveau des yeux. Le rouge à lèvres, je suis fan. Le spray, mon Dieu. Le mascara, vraiment pas mal. Le blush, ben, rip le blush. Honnêtement, de toute la vidéo, pendant que j'étais en train de vous parler et faire des trucs, je pensais qu'à Nars et il me dit « Pourquoi tu m'as fait ça, Nars ?» Et je ne pense pas avoir ma réponse, voilà. Mais je suis contente de vous faire les crash tests des calendriers de l'Avent, puisque c'est ce que je fais depuis le début de ma chaîne. C'est un peu mon truc, et j'y tiens surtout. Je trouve qu'avec un crash test, on peut vraiment se rendre compte de la valeur du calendrier de l'Avent. Parce que c'est bien joli. Oh, il y a ça, il y a ça. Ah, c'est pas mal, j'aime bien cette marque. Et une fois qu'on l'applique, parfois on a des mauvaises surprises. Des bonnes surprises. Je vous remercie d'être toujours là, jusqu'au bout, jusqu'à maintenant, parce que je sais que ce vlogmas est assez long, je le dis. N'hésitez pas à regarder mes vidéos en avance rapide, x1,5 ou x2, comme ça vous ne rognez pas sur votre sommeil. Ce vlogmas numéro 15 est enfin terminé. Si le contenu vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo. Et si vous passez par là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, parce que ça me ferait vraiment très plaisir. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis donc à demain pour deux contenus, si j'y arrive. Et sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous.